Vous savez, un chrétien qui est un croyant qui ne sait pas prier est un danger pour lui-même. Amen. Si tu ne sais pas prier, tu es un danger pour toi-même. Et si tu ne sais pas prier, tu ne peux pas te connecter à Dieu. C'est-à-dire que ton réseau est brouillé. Or, c'est la prière qui permet d'avoir, c'est une arme forte qui permet de se défendre et qui permet de se connecter à Dieu. Or, prier veut dire simplement se connecter à Dieu. Ou du moins parler à Dieu, tout terre à terre, parler à Dieu. Or, quand on parle à Dieu, on se connecte à Dieu. Or, quand tu te connectes à Dieu, il y a un retour. C'est quand tu es en train de appeler quelqu'un, forcément la personne va te répondre. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, si tu invoques, Dieu va te répondre. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses et les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand tu invoques Dieu, il t'annonce les grandes choses et les choses cachées que tu ne connais pas. Parce qu'apparemment, il y a des choses qui nous arrivent, on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est difficile pour nous d'avancer parce qu'on ne comprend pas. Or, c'est difficile de marcher dans les ténèbres. Dieu seul est lumière. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir la connaissance et surtout d'avoir une vie de prière. Il y a des gens ils veulent constamment qu'on prie pour eux. Non, c'est vrai, on peut prier pour toi. Mais vous voyez, le salut, il est individuel. Nous devons nous-mêmes personnellement cultiver cette vie de prière. Dieu est pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas collectif. On m'a bien saisi. C'est-à-dire, toi seul, tu peux prier et puis Dieu peut t'écouter. Or, si tu n'arrives pas à cultiver cette vie de prière, ça sera vraiment un danger pour toi-même. Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. La prière, elle est vraiment nécessaire. C'est la seule chose dans la Bible, quand vous lisez la chose où Dieu dit, il faut prier à tout moment. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Donc ça dit, c'est un commandement d'ailleurs. Quand la Bible dit prier, il dit prier sans cesse. C'est un commandement que Dieu te donne à chaque chrétien pour dire, il faut que tu pries. Dis Amen. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il faut qu'on prie pour toi. Non, la Bible dit qu'il faut que tu pries. C'est vrai que dans un premier temps, on peut prier pour toi. Mais la Bible dit que tu dois cultiver une vie de prière. Or, le jour où tu n'as plus une vie de prière, c'est la catastrophe spirituelle dans ta vie. Oh, il y a des gens comme ça. Ils aiment avoir cette foi collective. Quand ils sont à l'église, le feu, Seigneur, le diable, je brise, je te casse. Oh, ce n'est pas partout on brise, ce n'est pas partout on casse. Il y a des enseignements que tu devais avoir. La Bible n'a pas dit, on priera pour toi. La Bible dit, prie sans cesse. Prier sans cesse, la Bible s'adresse à toi. La Bible dit qu'il est de prier sans cesse. Donc, ça veut dire, à toute occasion, tu dois prier. Oh, les gens, il n'y a rien qui ne prie pas. Ils sont allergiques au lit. Dès qu'ils touchent le lit, Seigneur, tu es. Merveilleux, là, c'est parti. Oh, ils peuvent regarder la télévision. Maintenant, il y a matin bonheur, il y a midi premier, il y a soir de bonheur. Et ça, il ne dort pas. Hein? 1 h du matin, ses yeux sont prêts. Mais quand il touche le lit, Seigneur, il bâille. Tu es. Ça veut dire qu'un chrétien, tu es un chrétien mort. Les choses de Dieu n'existent pas grand chose. Or, tu dois être content quand on te dit d'aller dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La maison, non, c'est la présence de Dieu. Tu dois être content quand on te dit d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que se trouve ta joie. C'est là-bas que se trouve ta guérison. C'est là-bas que se trouve ta restauration. Donc, si tu es vaincu par un sommeil, quand il s'agit de la prière, est-ce qu'il y a un problème? C'est qu'en toi éteint la flamme de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire en toi éteint la flamme. Or, quand tu as les choses spirituelles en toi, tu aimes bien les choses spirituelles. Amen. Tu aimes bien les choses de Dieu. Tu es attiré par les choses de Dieu. Donc, en temps normal, la Bible nous demande de prier. Et il dit, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il dit, prier sans cesse. C'est un commandement pour chacun d'entre nous. Nous devons avoir une vie. La stratégie de Satan, des démons et de la sorcellerie, c'est de vous tuer spirituellement. Et comme on voit, c'est le manque de prière. Quand tu commences à ne plus trop prier, il y a un problème. Quand tu commences à ne plus trop gêner, il y a un problème. Donc l'arme la plus puissante, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tes ennemis auront raison sur toi. Les grands combats se remportent dans la présence de Dieu. Au moment où les gens sont en train de te combattre charnellement, où toute une armée des humains sont en train de se liguer contre toi, et tu ne sais pas où mettre la tête, mes frères, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est là-bas. Regardez un peu Mardochée.
On a Aman, le roi s'est levé pour dire il faut qu'on extermine Israël. Toute l'armée d'Israël, le peuple d'Israël, en tant qu'Esther était reine. Mardoché va vers sa nièce pour lui dire, mais écoute, il y a un souci ici. Le roi a signé un décret où on doit nous tuer. Elle dit, mais ça fait un bon moment, je ne vais pas aller chez le roi, je ne sais pas comment plaider. Il dit, ok. Que ce soit par toi ou pas, nous sommes convaincus d'une seule chose, que notre Dieu que nous prions nous fera sortir de cette situation. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété un moment de prière. Ce n'est pas resté dans la bouche. Ils ont décrété la compagnie. Ils ont dit, ah, c'est ce que le gars attendait, dit, c'est vrai. Parce que si je reste aussi à mal de cette situation, c'est grave. Et ils se sont tous mis dans la prière. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Vous connaissez bien le jeûne d'Esther. Les 3 jours de jeûne. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Donc, la prière, c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Il faut avoir une vie de prière. Il ne faut pas aller t'asseoir sur le lit pour dire, Seigneur, tu es mes vers. Il est 5 heures du matin. Or, le diable sait. Il se choque quand tu rentres dans la prière de Dieu, tu auras beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible dit, prier sans cesse. La Bible dit, il faut prier à tout moment. Il ne faut pas t'arrêter. Amen. Parce que la prière, on ne prie pas comme ça. Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu me vois, je fais pitié. Pardon, Seigneur, je fais pitié. Puis il pleure. Il n'est pas prié. Amen. Donc, il y a les étapes dans la prière. La première étape qui est intéressante dans la prière, c'est comme le tabernacle. La construction du temple, au temps de Moïse, la synagogue, le tabernacle. Il y a le lieu, il y a 3 parties importantes. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était consacré au pardon des péchés. Parce qu'on ne peut pas rentrer. Dieu est quoi? Il est 3 fois saint. On ne peut pas rentrer dans sa présence sans être sanctifié. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché dans sa vie. Il y a pas. Donc, la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais de par-dessus tout. Donc, quand tu entends qu'il rentre dans la présence de Dieu, il faut arrêter ta comédie. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Il faut reconnaître ça. Par ta nature adamique, Adam et Ève ont posé un acte. Nous sommes sortis de ces 2 personnes. Aujourd'hui, cette nature a fait que nous sommes pécheurs devant Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, d'abord, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu reconnais d'abord toi ta nature pour dire au Seigneur, je sais que je suis pécheur et demande pardon. Ça, c'est en général. Maintenant, il y a des péchés que tu fais, qui ne plaisent pas à Dieu. Tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Quand Dieu voit ça, il dit, voici quelqu'un que je peux écouter. Vous comprenez? Voici ça, voici la personne que je peux écouter. Parce qu'elle reconnaît sa faiblesse. Vous savez, quand la Bible dit que quand tu t'humilies, hein, Dieu te rend grand et t'a grandi. Donc, tu t'humilies dans la présence de Dieu pour dire, tu reconnais ta nature. Comprenez? Ok. Maintenant, après avoir fini l'étape, pourquoi c'est important? Parce que la Bible dit quoi? Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent nos cœurs des crimes. Comme vous lisez Esaïe 59, le verset 1. Donc, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Vous comprenez? Donc, après avoir fini de confesser les péchés, il y a une étape qui est très importante, qui est le remerciement. Ça veut dire quoi? Tu lui remercies pour ce qu'il a fait pour toi. Tu as envie là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Tu n'es pas mort, ça ne dépend pas de toi, c'est une grâce. Dis-lui merci. Donc, tout ça là, tu lui dis merci. Et après avoir, ça c'est la deuxième étape. Après avoir dit merci à Dieu, il y a une troisième étape qui est importante, l'adoration. Elle est différente de remercier. Parce qu'on ne danse pas pour adorer Dieu. Non, on danse pour louer Dieu. On danse pour remercier Dieu. On est content quand on remercie Dieu, on danse. Parce que louange, je vais dire, dis c'est haut, bien fait. Ma fait. Or, l'adoration est différente, c'est de dire les mérites de Dieu. On adore Dieu parce qu'il est grand. Parce que nous sommes tous appelés à comme des adorateurs. Tu te lèves, tu dis, je t'adore parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es mon Dieu, c'est pour ça que je t'adore. Ça, c'est dire les mérites de Dieu. Ça, c'est la troisième partie. Maintenant, la quatrième partie qui est encore intéressante, c'est le combat. Amen. Pourquoi le combat? Parce que chaque fois que Dieu fait, nous sommes en combat avec les esprits. Nous sommes en combat avec les démons. Nous sommes en combat avec la sorcellerie. Nous sommes en combat avec les ténèbres. Donc, il faut présenter le combat. Après avoir fini le combat, vous présentez votre sujet du jour au Seigneur.
C'est là que vient le sujet. Pour dire, Seigneur, voici mon besoin. Hein? Ça, c'est quand même, ça, c'est la cinquième partie. La cinquième étape. C'est ça? Non, la cinquième étape. La sixième étape, c'est l'intercession. Il ne faut jamais faire une prière égoïste. Jamais. Il y a des gens qui prient pour eux, ils ne prient pas pour les autres. Priez en faveur d'eux. C'est ça l'intercession. Donc, il faut prier en faveur de la Côte d'Ivoire, vous priez en faveur de votre quartier, vous priez en faveur de votre commune. Voilà. Donc, il faut prier. Ça, c'est l'intercession. Ça, c'est la sixième partie. Maintenant, la septième partie, ça termine, c'est la dernière partie, c'est de dire, tu reviens encore pour remercier le Seigneur d'avoir exaucé les prières. Un acte de foi. Pour lui dire, c'est vrai que j'ai passé du temps devant toi, mais je te fais confiance. Et je sais que tout ce que je t'ai présenté, tu m'as exaucé. On s'en clôture hein, la prière. Et donc, voici les sept étapes de la prière pour vous montrer comment prier. Parce que si vous n'arrivez pas à prier, ce n'est pas bon.